Bonjour à tous, ici iPhone The Pro MX. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir Dock. C'est une application cachée comme SB Sitting, mais ce n'est pas SB Sitting, c'est pour voir vos applications. Avoir un raccourci. Admettons que vous avez créé un dossier ici, que vous entrez dedans, qu'il y a plein d'applications. Alors qu'à chaque fois, il faut rentrer dedans, il faut loading, il faut qu'on attend, on attend, ça prend beaucoup de temps. Alors j'ai trouvé une application qui s'appelle Dock, qui permet de raccourcir, aller plus vite. Regardez, vous laissez votre doigt ici et vous faites comme ça. Vous voyez? Vous partez là-dedans, vous voyez toutes vos applications. Vous voyez quoi? C'est vraiment beaucoup plus rapide. Vos applications, vos utilities, ce que vous utilisez. Vous voyez, Walk, tous les trucs de Walk, tous les trucs de téléphone, Phone, tous les trucs de médias, iTunes, vous voyez, c'est vraiment, vraiment super. Hein. Et puis encore plus super, vous laissez votre doigt sur le côté aussi, vous voyez, et ça se défile. Non mais vraiment c'est trop magnifique. Alors je vais vous montrer comment avoir ceci. Après il y aura des réglages aussi à faire parce qu'il faudra installer Dock.pref. Alors on part dans Cydia. Et on va attendre que ça se trouve. Cydia. En train de... Voilà, de en lire. Télécharger le package. C'est vraiment très bien car quand vous êtes dans une application pas Cydia, par exemple vous êtes dans un jeu et vous pouvez mettre votre doigt ici et vous pouvez le voir. Je vais vous montrer un exemple d'un instant. Attends, voilà. Pardon, je cherche en bas à droite. Et on tape Dock, qui est écrit en ce moment en LED de l'écran ici. D-O-C-K. Dock. Et vous cliquez Search. Et vous allez dans les D et chercher Dock. Qui est ici. Vous voyez Dock ici. Cliquez dessus, installez-le en haut à droite et refaisez un Resta Spring Boot si on vous demande et revenez à la vidéo. Bon, voilà, quand vous aurez installé Dock, normalement vous pouvez juste faire ceci. Mais du côté, sur le côté ici, vous ne pourrez pas le faire. Moi je peux le faire car j'ai déjà réglé. Oups, sur le côté comme ça. Voilà, comme ça. Vous ne pourrez pas le faire pour l'instant car il faut régler. Alors, je vais vous montrer ce réglage. Normalement, quand vous avez installé Dock, vous devez voir son application ici. De Twin V, un clé à molette avec une Twin Vis. Ici, c'est Dock.pref. Dock. Clique dessus, c'est votre réglage de Dock. Et là, ce que vous devez faire, c'est de cocher tout. Normalement, il y a deux simplement qui est coché, ceci. Vous devez les cocher tout. S'il y a, il manque, vous cochez tout, tout. Et là, vous voyez les réglages. C'est que vous mettez dans les utilités. Asta, Ventembo. New category. Vous pouvez régler comme vous voulez. Mettons que... Et c'est bon. Après que vous avez fini, vous cliquez en bas, Resta Springboard. Et il va rester un petit Resta Springboard. Voilà. Nous sommes ici. Vous avez fini faire votre Resta Springboard. Et maintenant, normalement, que vous avez cliqué là-dessus, vous pouvez faire du deux côtés. Non seulement d'ici.
D'ici, il faut bien prendre. Vous voyez, plus qu'il y aura des applications, plus qu'il y aura des icônes ici affichées. Ça vous montre très bien. Mettons qu'on clique sur mon keyboard. Je vous montre que ça marche très bien. Vous voyez, et vous voulez absolument, je sais pas moi, attendez, je là vous êtes ici. Et vous disiez, ah je vais plus, je vais aller directement sur, je sais pas moi, quelque chose. Vous pouvez le faire même ça. Vous voyez, vous pouvez aller même dans Doc quand vous voulez. Vous pouvez aller dans quand vous voulez. On va aller dans l'installer. Oups. Je refais. Installer. Vous laissez. Et il ouvre directement installer. Voilà. Oups. Alors, vous avez vu, c'était. Comment avoir Doc et le réglage, comment le fonctionnement, tout, etc. Franchement, c'est vraiment, vraiment une bonne application. Il faut en profiter. Il y aura d'autres applications, je vais mettre. Alors, je vous souhaite un bon joyeux Pâques. J'espère que vous allez me souhaiter dans les commentaires. Ah oui, j'attends de beaucoup de commentaires, là. Car j'aide beaucoup. Je vais aider un peu iPod, tout ce que je pourrais, qui est dans ses études. Alors, c'est pour ça que je fais un peu des vidéos. Nous tous on le comprend. Alors je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Visitez bien le site d'iPod Touch Pro qui est si bien fait. Et joyeuse Pâques à vous tous. Et j'attends vos commentaires et de me souhaiter joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques à pour lundi. Et merci à vous tous. Au revoir, c'était iPhone The Pro. Et merci.